Bonjour à tous, bonne année 2023, la santé et tout. Aujourd'hui, je vais faire un truc qui diffère de d'habitude, c'est-à-dire que je ne vais pas vous présenter qu'un seul équipement, mais plusieurs à la fois. Et on commence avec de quoi transporter les munitions, enfin, en reconstitution. Parce qu'en airsoft, il n'y a pas vraiment 20 000 façons de se trimballer les billes. On va d'abord faire les cartouchières. Déjà, ces cartouchières-là ne datent pas de la Wehrmacht, hein. C'était pour la cavalerie impériale en 1911. Donc du coup, elles sont faites de 22 parties en cuir avec un système, vous voyez, des bandes, des passants comme ça pour enlever plus rapidement. À la base aussi, ce qu'il pouvait y avoir à l'arrière, c'était l'unité du soldat avant-guerre. Au début, les cartouchières seront en aluminium pour toutes les parties métalliques. Puis à partir de 41, elles passeront en fer simple. Après 42-43, il y aura une grosse simplification. Je vais mettre une photo là pour que vous compreniez. C'est-à-dire que ces systèmes de décrochage rapide des cartouchières, on va les supprimer. Et la sangle là sera carrément riftée, ici, comme vous pourrez le voir sur les photos. Et après, d'autres simplifications, par exemple les coutures qui permettent de lier la petite patte qui permet de fermer les cartouchières, comme ça, ça sera plus en cousu, quoi, avec du gros fil, ça sera tout simplement rifté. Ça, c'est toujours le but pour les Allemands, milieu, fin de guerre, de tout simplifier au mieux. Alors, le port. Normalement, le port, c'est l'extrémité de la cartouchière à 3 cm de la boucle de ceinturon. A savoir aussi que selon le théâtre d'opération, les cartouchières pouvaient être peintes. Si je trouve une photo, je vous en mettrai une. C'est-à-dire que par exemple, la peinture qu'on met sur les casques, la peinture blanche pour l'hiver, on pouvait en recouvrir les cartouchières pour mieux les camoufler, quoi. Alors pour alourdir les cartouchières, il y a soit vous mettez la contenance en lame chargeur, c'est-à-dire 6 lames chargeur pour 30 cartouches à chaque cartouchière. Donc si on fait le calcul, ça fait 60 cartouches pour chaque soldat avec les deux cartouchières. Et sinon, il y a aussi la méthode la plus simple, la plus cheap que j'ai trouvée. Des plombs de pêche. Prenez des petits plombs de 100-150 grammes. Vous les mettez dans les cartouchières, vous refermez et ça va alourdir naturellement. Donc je vais vous mettre une photo ici pour les chargeurs d'MP40. Au début, c'était gris riche vert avec des garnitures en marron cuir naturel, quoi. Et après, ça va passer sur ce format-là, c'est-à-dire à peu près jaunâtre avec garniture en cuir noir. Et ça, de toute façon, il n'y a pas trop le choix. C'est comme MP40 en général, c'est que des low cap. Alors après le STG44, alors j'ai pas trouvé trop d'infos là-dessus, sauf que je sais que il pouvait soit être de couleur comme ça, soit être vert avec des garnitures en cuir tout le long là. Je vous mettrai des photos si je trouve. Et donc du coup, ça permet de transporter des chargeurs STG44. Donc ça, c'est AGM. Et petite astuce pour ceux qui font pas de reconstitution, qui viennent juste faire une dominicale des fois comme moi je fais, c'est-à-dire que vous mettez les billes dans le puits et vous prenez du duct tape, vous fermez. Parce qu'en fait, le problème qu'on a avec les chargeurs des STG44 AGM, contrairement à des Choi ou autres, c'est que là, à la base, il y a un petit ergot. Et donc, si on essaye de rentrer dans le bon sens, c'est-à-dire les munitions tête vers le haut, vous verrez bien que ça risque de coincer, parce que là il y a le petit ergot qui bloque et qui coince le chargeur là-dedans. Donc c'est vraiment pas pratique, mais bon. Alors la gourde elle se présente comme ça. Donc c'est un bouchon dont il y a une sangle qui est reliée, avec un crochet monté sur ressort pour accrocher au dit des sacs à pain, plus une sangle externe qui permet de passer dans le passant du sac à pain pour pouvoir justement fermer et verrouiller la gourde. Ce qu'il faut savoir, c'est qu'en 1931, donc du coup, contrairement à d'autres belligérants, vous voyez, la gourde ne pourra pas tenir debout comme ça. Elle était entièrement faite en aluminium. Donc ça, c'était déjà bien du point de vue de l'hygiène. Mais à partir de 1941, donc sur ce modèle-là, le bouchon sera en bakélite. Et en 1943, elles seront en fer, les gourdes. Donc du coup, point de vue hygiène, c'est pas très bien, parce que
L'aluminium, c'est bien, mais le fer, ça rouille. Donc du coup, ça restera assez désagréable pour les soldats d'utiliser une gourde en fer. Il existe aussi des gourdes dites coco, c'est-à-dire c'est une gourde en aluminium à l'intérieur sur lequel sera appliqué du bois bakélisé. Donc, et ça, les gourdes coco, c'est extrêmement vu en Afrique du Nord. Savoir aussi que, vous voyez, les housses comme ça, celle-là, elle est bien, celle-là, elle n'est pas bien, c'est que la qualité des housses différera, bon, déjà en reproduction, différemment de la production, mais en fait, en fin de guerre, ça va devenir de plus en plus grossier. Et après, il y a aussi une dernière simplification pendant la guerre, c'est-à-dire que on va juste prendre une sangle qui verrouille là, une sangle qui tient le bouchon, qui va verrouiller là. Je vous mettrai une photo pour vraiment simplifier au max. Alors après, l'utilité en airsoft, bah, c'est pour s'hydrater, donc c'est super pratique ça. En plus, c'est en feutre, donc ça garde bien le froid. Donc le quart. Le quart au début, c'est celui-là, de 24 à 27 cm de contenance, avec deux anses pour manipuler comme une tasse. Et au début, il sera en aluminium, pas en noir. Et puis après, progressivement, 41, il va passer en vert olive, c'est-à-dire comme la gamelle qu'on va voir tout à l'heure. Et après, il sera en fer et non plus en aluminium. Alors après, il y a un deuxième quart de 10 centilitres, c'est celui-là. La sangle du dessus va verrouiller le quart à la gourde. Et en fait, ce quart-là, il y a eu vraiment beaucoup, beaucoup de variantes. C'est-à-dire qu'il pouvait être noir comme ici. Je vous mettrai une photo si j'en trouve. Soit il peut être vert, soit il peut être orange, gris, etc. C'est vraiment la fête du slip. Alors on va aborder le brelage lourd et le trapèze dorsal qui va suivre. Alors adopter en fait le trapèze dorsal, c'est-à-dire le F-RAM ou le Stungepack comme certains le disent, et le brelage lourd ont été adoptés tous les deux en même temps le 18 avril 1939 par la Wehrmacht. Au début, il était, comme son nom va l'indiquer, je vais vous le dire, Koppeltragegestell für Infanterie, soit bretelle de suspension pour l'infanterie. Au début, il sera distribué exclusivement aux fusiliers dans les compagnies d'infanterie. Donc du coup, c'est vraiment très limité. Et puis après, il commencera vraiment à être produit en masse à partir de 41 pour l'opération Barbarossa, en même temps que le trapèze dorsal. Alors concrètement, il y a une sangle de 40 cm avec un crochet et une boutonnière qui permet de solidariser avec l'anneau qui a une pièce de cuir épais. Donc ça, c'est pour l'arrière, pour accrocher derrière au ceinturon. Et après, il y a premier anneau ici, deuxième anneau ici, de chaque côté, avec 8 trous percés sur la sangle, comme la sangle principale qui permet justement d'accrocher les cartouchières, les porte-chargeurs, etc. Donc du coup, bah, c'est pour le trapèze dorsal qu'on va voir tout à l'heure. Et en fait, ce qu'il faut savoir, c'est qu'au début de production, comme tous les autres matériels, c'était fait en alu. Mais après, c'est vite passé en fer peint, comme ici. Et les coutures, ici, parce que là, il y a une couture quand même, sont invisibles ici. À partir de 42, ça va changer, elles seront visibles. Après, il faut aussi qu'il va y avoir une simplification, parce que vous voyez que le dé avec la pièce de cuir suit la bretelle. À partir de 43, ça va changer. Ça va être un angle de 45 degrés pour mieux supporter le Stungepack. Alors le trapèze dorsal, alors bêtement c'est ça, c'est-à-dire que il est en cuir, il est en toile parcheminée avec du cuir, et il y a plusieurs choses. Déjà, il y a les crochets au nombre de 4 qui permettent, en fait, je vais vous montrer concrètement ce que ça donne. Non, c'est dans le mauvais sens. Alors, le Stungepack. Le Stungepack au début, c'est ça. C'est de la toile parcheminée avec du cuir. Alors, le principe du Stungepack, c'est que ça fasse
sac à dos. C'est-à-dire, on le prend, on passe les deux dés du haut dans les bretelles. Un bretelle comme ça. Et après, il y a un anneau qu'on avait vu précédemment qui permettra de fixer. Et donc, en fait, ça fait une sangle comme ça. Et puis, en fait, le but, c'est d'en faire une espèce de sac à dos. Alors, au début, il était donc, comme je l'ai déjà dit, gris, mais ça a rapidement passé en jaune. Donc, les crochets, on a vu à quoi ça servait. Maintenant, on va voir le reste. On a vu à quoi servaient les crochets ici, 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 ici. Donc on va faire la suite. Il y a trois petits dés ici et en haut et de l'autre côté. Et ça, en fait, à la base, c'est quand vous roulez votre capote ou votre couverture, c'était normalement pour, avec trois sangles de troupe, permettre de fixer ça au Sturmgepäck. Après, il y a une courroie qui, selon les tailles, va varier de 65 à 70 cm qui permet d'accueillir la gamelle. Et les deux sangles en bas rivetées, parce que là elles sont bien rivetées, hein, ça sera pour accueillir la Zelban et le Buttle. Alors le Buttle, concrètement, c'est un petit truc qui est apparu en 41. Et en fait, à la base, là c'est un passant pour la sangle dorsale pour l'âge lourd. Ça se boutonne au Sturmgepäck. Et au début, comme son nom l'indiquait dans le titre que je vais vous mettre là, c'est-à-dire que c'était un pactage d'allègement pour l'infanterie. C'est-à-dire que là-dedans, normalement, on retrouvait la ration de fer, le chandail et 2-3 éléments pour la tente. Et il y a aussi le fait qu'il y a une poche spéciale ici pour le kit de nettoyage RG34. Alors ces éléments-là sont plutôt faits d'une réflexion de temps de paix et seront massivement distribués pour Barbarossa. C'est-à-dire que tout ce qui est trapèze dorsale, etc., ça va être introduit massivement pour Barbarossa. Mais après, au fur et à mesure, bon, le brûlage lourd lui va perdurer, hein, puisque hormis le Sturmgepäck, il y a aussi les rucksacks, etc., qui peuvent être fixés dessus. Mais après, au fur et à mesure de la guerre, le Sturmgepäck sera progressivement abandonné. L'utilisation des gaz de combat pour la première guerre avait vraiment traumatisé tous les belligérants. C'est pour ça que dans l'optique d'une nouvelle guerre, tout le monde avait pris des dispositions pour lutter contre les gaz. Donc en 1930, une nouvelle cartouche pour le masque à gaz modèle GM30 est adoptée par l'armée allemande. Donc du coup, il lui faut une nouvelle boîte. Alors c'est pas celle-ci, je vous mettrai une photo du plus ancien au plus récent. Mais en gros, en 1938, le gaz masque modèle 38 est introduit avec une nouvelle cartouche. Donc du coup, il faut, comme pour le gaz masque 30, un plus grand contenant. C'est pour ça qu'il y aura ça, l'étude masque à gaz modèle 30. Alors, il se compose d'une sangle avec un crochet pour accrocher un ceinturon, une sangle en bandoulière, d'un couvercle qui s'ouvre. À l'intérieur, il y a une petite poche pour les verres de rechange, ici. En bas, au fond, il pouvait aussi avoir un chiffon pour nettoyer les lunettes de masque à gaz. Et il y a aussi une plaque pour insonoriser à l'intérieur les chocs de la cartouche contre la boîte. Alors la bâche écran qui est contenue dans cette pochette, au début, elle était contenue dans une pochette comme ici, caoutchouc et bouton pression. Mais après, ça sera tissu avec bouton classique, une boutonnière classique. Alors, la bâche écran qui fait 120 par 200 cm était à la base destinée aux soldats à se protéger des gaz attaquant la peau. Donc du coup, il faudrait que je vous mette une photo pour illustrer, mais en fait, c'est une grande couverture qu'on met par-dessus en cas d'attaque aux gaz irritant la peau. Alors au début de la guerre, elle devait être portée sur le torse, en faisant passer les passants de la housse dans la sangle de l'étui. Mais comme moi je l'ai fait, et comme beaucoup de soldats vont le faire par commodité, ils vont carrément la sangler directement sur l'étui. Parce que c'est plus pratique et enfin, voilà. Alors à l'époque, il y avait différents types d'utilisation à l'époque. Déjà il y avait le masque à gaz pour se protéger des gaz de combat, mais ils n'ont pas été utilisés, donc c'est surtout pour se protéger du froid de l'hiver. Vous pouvez mettre aussi des conserves dedans, en airsoft. Moi, quand j'ai un MP40 avec low cap et tout, je mets les billes dedans, mon sachet de billes dedans, avec le baby loader, comme ça je peux recharger direct. Mais aussi, si vous avez des répliques à gaz, vous pouvez mettre du gaz, etc. Et aussi,
S'il fait chaud, par exemple, vous pouvez vous hydrater. On peut mettre une bouteille d'un litre dedans. C'est une contenance d'un litre, un litre 5. Donc du coup, il y a de quoi mettre dedans. Alors pour finir aujourd'hui, la prochaine fois on verra la Zelban, mais il faut que je vous montre, parce que la Zelban c'est quand même un grand truc à vous montrer. Alors on va parler du Gogetscher 1931, donc celle-là. Donc la gamelle allemande de la Seconde Guerre. Alors la gamelle adoptée en 1931, donc celle-là, elle est réduite en taille par rapport à celle de la Première Guerre, et elle est composée de deux parties. Un plat avec une anse qui permet de faire couvercle sur la gamelle et une marmite. Et la marmite, comme vous pouvez le voir ici, je vous fais voir, il y a des petites encoches. Et ça, en fait, c'est pour des rations de soupe. Donc c'est la ration de 50, 100, 150 centilitres. Donc à partir de 1941, bah déjà la anse qu'on voit ici sur ce modèle original. C'est une originale, ça, c'est une originale EMK41. Donc déjà, la poignée sera en fer et elle sera peinte en vert olive. Bon, là, la peinture a été enlevée, donc c'est pas trop facile de vous faire voir, mais en gros, donc comme pour le car et tous les équipements, ils étaient à peu près peints dans cette couleur. Donc la peinture elle pouvait énormément varier parce qu'en 41 elle était vert olive, mais vers 44 elle était noire. Donc alors d'abord fait le gros, après vert olive, pourra même passer en noir sur certaines versions. Les modèles qui seront produits en 1942 seront plus en aluminium comme celle-ci, mais en simple fer peint. C'est-à-dire du fer, une gamelle en fer, avec un émaillage rouge ou noir selon les versions. Et les anses seront simplifiées. Ça ne sera plus une grosse pièce rapportée, ça va juste être en fait juste une pièce en ferraille qu'on a tordue et puis qu'on rifte quoi. Après fin 44, début 45, une production sera relancée en aluminium avec un plat supplémentaire qui s'emboîte en fait dedans, qui sort par-dessus. Donc du coup, mais ça sera vraiment limité. Alors après, ce qu'il faut savoir, c'est que pour la reconstitution, beaucoup de gens prennent des gamelles après-guerre ouest-allemande, mais le vrai modèle, c'est celui-là. C'est-à-dire le passant de sangle à ce niveau-là, la poignée, et les rivets. C'est comme ça qu'on va différencier une gamelle seconde guerre d'une gamelle après guerre. C'est à dire que, comme je vous ai dit, le passant, la poignée là, comme ça, les rivets. Donc du coup, il y avait un site, mais bon, maintenant il a sauté parce que je sais pas pourquoi, mais il démontrait toutes les différences. Donc ouest allemand, le passant de sangle il est là, donc c'est pas bon. Ouais, est allemande, il n'y avait pas de passant ici pour la sangle, donc non, ça marchait pas non plus, etc, etc. Alors après, ce qui se passe, c'est qu'il y avait deux sangles pour la gamelle, donc une sangle comme ça pour accrocher au dé du sac à pain. C'est à dire que concrètement, il y avait on passait la sangle ici dans l'anneau en haut, dans le passant en bas, on verrouillait et ça permettait de tenir. Il y a aussi le Stumgepack. Voilà ce qui conclut cette présentation d'équipement. Alors il ne reste plus beaucoup à faire puisqu'il ne manque plus que la pelle bêche, la baïonnette et la Zelban. Donc on va faire ça d'ici un ou deux mois, et puis après on va attaquer les reviews d'uniformes. Sur ce, je vous souhaite encore une très bonne journée, une très bonne année 2023, et je vous dis à plus. Ciao.